Bonjour à tous. Alors, je vais inviter quelques personnes. Alors, je vais inviter quelques personnes à nous rejoindre. Enfin, à me rejoindre, parce que pour le coup, je suis toute seule. Voilà. Alors aujourd'hui, petit live encore joli moi. Là, je pense que vous en aurez quelques-uns. Vu que mon papa part en vacances pendant 15 jours. Donc du coup, je pense que j'aurai le temps de vous faire des lives, etc. Et en plus, comment vous dire que nous sommes dans le salon, donc il y a deux fois plus de lumière. Je suis deux fois plus installée parce que je suis sur une chaise. Donc, on est carrément mieux dans le salon. Donc, voilà. Voilà. N'oubliez pas, en ce moment, je suis aussi sur Party Light. Parce qu'en ce moment, on commence à me redemander des bougies, etc. Donc, là, par exemple, il y a une bougie un peu essentielle que mon papa a. Je vous la nettoie avant parce que. Elle est un petit peu cracra. Donc voilà, par exemple, il y a un pot essentiel comme ça. Là, c'est linge printanier. Donc voilà, ça, c'est une bougie. Mon papa qui l'avait pris. Et donc, ça, c'est une bougie party light. Hein. C'est une vraie bougie. Une vraie bougie party light. Celle-ci, elle dure quand même pas mal de temps. 10-12 heures, je crois. Si mes souvenirs sont bons, faut que je remette le nez dedans. Parce que ça fait un certain moment que j'ai pas parlé party light et que du coup, bah, les 10 heures, machin. Si je me rappelle, les réchauds, c'est 4 à 6 heures. Mais ça fait que ça doit être 10-12 heures, je pense. Donc voilà pour les pots essentiels. On a des réchauds, etc. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un. Je ferai peut-être pendant les vacances, vu que mon père part en vacances. La semaine prochaine, je ferai peut-être un live que sur les bougies Party Light. Je pense. Voilà, je vous mettrai le lien de Party Light. Comme ça, si vous voulez vous faire plaisir cet été à avoir des petites bougies, où on a même des bougies extérieures, des bougies extérieures, donc vous allez pouvoir voir ça. Des bâtonnets dansants, voilà, j'étais en train de chercher pour l'extérieur, donc du coup ça peut être pas mal pour cet été. Donc voilà, voilà pour Party Light. Je vous ferai vraiment une vidéo sur Party Light. Voilà, je vois que ça repart un peu, donc du coup vu que ça repart un peu, je vais prendre les devants et je vous ferai une vidéo parce que c'est vrai que sur Instagram, je n'ai jamais fait de vidéo. De Party Light, donc voilà, je vous ferai une vidéo Party Light, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, on est reparti sur du joli mois encore et toujours. Voilà. Donc pour ce mois de juillet, encore et toujours, comme je dirais depuis 30 secondes, il y a toujours trois produits à gagner. Donc celui-ci, le Ben et Anna en forme de stick, donc c'est un déodorant bio, pardon. Voilà, qui est très bien, qui est bio et vegan. Le contenant est à recycler. Et c'est à la vanille et orchide. Voilà, ça, c'est trop bien. Moi, je le teste, je l'ai pas testé. Mais j'ai pris celui en stick. Parce que je pense que je testerai peut-être celui-là, un de ces quatre. Hein, mais pour le moment, je n'ai pas envie. Voilà, donc je préfère vous l'offrir tout simplement. Ensuite, on a un masque pour le visage de chez Dermalogica. Donc il est en petit format parce que j'ai la chance de pouvoir vous le faire tester en petit format. Donc voilà, donc vous avez celui-ci à gagner aussi. Si vous prenez 20 euros d'achat. Vous pouvez avoir déjà ces deux produits-là que je viens de vous montrer, peut-être un des deux, plus un masque pour le visage de chez Evolve. Salut Aurélie, ça va? Donc là, je parle des cadeaux du mois de juillet, dès 20 euros d'achat. Je vous offre un de ces trois produits-ci, donc le masque Dermalogica, le déodorant Ben et Anna et le masque Evolve que je vous fais gagner dès 20 euros d'achat.
Et si deux personnes prennent une commande de 20 euros d'achat, le concours est activé. Donc voilà, bon pour l'instant j'ai pas de commande. Mais bon, je suis en vacances donc je vais pouvoir profiter de mes vacances pour pouvoir voir mes copines, etc. Pour pouvoir passer les commandes. Donc voyez, voilà. Je devais avoir une commande moi là. Sauf que bah j'ai jamais réussi à passer ma commande. Donc du coup, on verra ça au mois de juillet. Je vais pas m'enquiquiner. Voilà. Du coup, à la place des produits, je me suis pris des petites affaires. Voilà, des robes. Une robe, une combi. Je crois que je me suis pris non, deux robes et une combi, j'ai dû me prendre. Donc voilà. Comment vous dire que du coup, les nouveaux produits arriveront que fin début août. Voilà. Vu que ça ne marchait pas, ça faisait une semaine que ça ne marchait pas. Donc j'ai arrêté. Donc du coup, je me suis fait plaisir. En prenant des affaires, voilà, voilà. Donc là, je vais vous parler de tout ce que j'ai. Enfin, pas de tout, parce que du coup, si je vous parle de tout et 2 jours après, je reviens vers vous, je reparle de tout, ça va pas être terrible. Donc là, je vais vous parler des vernis que je vous ai jamais parlé. Donc c'est le Naïmatic. Ça va, Aurélie? Le Naïmatic, donc celui-là, c'est le vernis. Donc c'est des vernis bio, vegan, made in France, c'est bien noté sur l'emballage. Bonjour Jérémy. Donc c'est bien noté sur l'emballage. Voilà, donc celui-là, je peux pas vous les mettre sur maison parce que moi j'ai du semi-permanent. Donc voilà les packagings. Voilà les deux packagings. Donc là par exemple, il y a l'étiquette et là il n'y a pas l'étiquette. L'étiquette c'est vraiment le petit truc en carton. Donc voilà. Les deux couleurs. Lui, il paraît très foncé, mais en fait, ça fait rouge, vraiment rouge. Donc voilà. Mais en fait, le packaging, en fait, est un petit peu traître. Je sais pas si vous allez. Bah non, vous allez peut-être pas voir. Voilà, ça fait plus rouge au-dessus que rouge foncé comme ça. Ça fait un rouge très clair. Ça, les vernis, peut-être que je serais susceptible de vous faire gagner celui-là. Pourquoi pas? J'en ai deux, donc du coup, vu que je vais pas me servir des deux, peut-être que je vous ferai à celui-là ou j'en reprendrai d'autres. Et je vous ferai une bouche voilà. Ensuite, je vais vous montrer. Bah, aujourd'hui, j'ai envie de mon rien préféré, Evolve. Voilà, vous allez certainement en entendre beaucoup parler. Souvent dans les vacances. Parce que c'est ma gamme préférée, je l'utilise souvent. Bon, là, j'utilise moins surtout le baume nettoyant parce que je fais une porte ouverte le 18, donc pas samedi là, mais samedi prochain. Donc, du coup, j'essaie que je l'utilise plus parce que vu que je suis au fond du pot et que je devais en avoir un, et du coup, je passe pas ma commande aujourd'hui. Enfin, ce mois-ci, je passe ma commande que le mois prochain. Donc du coup voilà, mais c'est pas grave, j'ai d'autres choses à tester aussi entre-temps, vu que je teste beaucoup de choses pour YouTube aussi. Donc voilà, on va commencer par les deux que j'aime moins. Voilà, on va carrément commencer par les deux que j'aime moins. Donc on a celui-ci qui est donc c'est de la gamme Evolve, hein, bien évidemment. Bonjour Pauline. Donc celui-ci c'est comme une eau micellaire. Sauf que c'est un petit peu en huile. Je vais appliquer la texture sur mon doigt, vous allez voir. Vous voyez? J'adore quand ça fait une petite bulle. Donc ça, c'est sous forme d'huile. Donc c'est pour vous démaquiller, mais avec de l'huile. L'odeur, elle sent super bon. Donc voilà. Donc après, faut bien. C'est pour démaquiller. Hein. Voilà. Non, je vais regarder dans mon petit truc parce que oui, ça doit être ça. Mais là, je viens d'avoir un petit doute. Oui, c'est ça. Nettoyant micellaire. Et ça nettoie et démaquille. Donc, en principe, en nettoyant, il est très bien, ce produit-là. Pour nettoyer le visage, etc., il est plutôt top. Mais pour démaquiller le visage, comme je vous ai dit déjà plusieurs fois, pour le démaquillage, il vaut mieux démaquiller le teint et pas les yeux avec. Parce que les yeux,
Si vous mettez, je ne sais pas, du rouge, du bleu sur vos yeux, ça va avoir un petit peu plus de mal à s'enlever avec l'huile vu que c'est sous forme d'huile. Donc voilà. Voilà pour ce produit-là. Donc moi je l'aime pas trop, mais en nettoyant, il est plutôt pas mal. Donc ce produit-là est plutôt bien en niveau nettoyant, mais démaquillant, pas terrible. Après, c'est chacun son avis, hein. Mais je pense que celui-là, si vous faites un petit maquillage, si vous avez un petit maquillage léger, ça fonctionnera. Mais un gros maquillage comme moi, souvent je fais dans les vidéos, ça ne marche pas. Au moins pour les yeux, ça ne fonctionne pas. Ensuite, un produit qui est quand même ici. Qui est quand même ici. Donc ce produit-là, toujours de la gamme Evolve, c'est un lait pour le corps et un lait pour le corps, pardon. Et pour vous laver, pas vous laver les mains, mais pour vous, une crème pour les mains et un pour le corps. Je vais y arriver, je vais y arriver. Donc voilà, ce produit-là est plutôt sympa. Voilà. Attendez, je cherche juste la page. Voilà, c'est hydrate le corps et les mains au beurre de karité bio et à l'aloe vera, ce produit-ci. Et très bien. Je ne me rappelle plus des composants dedans. Donc moi, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. Je suis pas fan de l'odeur. Voilà. Voilà, vu que c'est deux produits que je n'aime pas trop. Je ne suis pas fan de l'odeur, mais il fait très bien son job. Je l'ai testé, bien évidemment. Il fait très bien son job. Il hydrate très bien la peau, les mains aussi. Ça pénètre bien dans les mains, bien dans la peau. Donc, franchement, celui-là est vraiment au top. Moi, celui-ci, souvent, ce que je fais, c'est que je vous le mets en cadeau. Voilà, vous repartez souvent avec ça. Ou deux, trois. Ou souvent, c'est ça et le contour pour les yeux de chez Jane Scrivener. Voilà, enfin, souvent je vous mets des petites choses que vous puissiez tester chez vous. C'est plutôt pas mal. Donc il y aura celui-ci certainement samedi prochain. Ensuite, on passe au contour pour les yeux de chez Evolve. Donc là, j'en suis à ici. Donc ça continue, ça continue. Là, je vais le reprendre parce qu'en fait, je switch entre des produits que je dois tester pour YouTube et des produits. Et ce produit-là, du coup, je switch entre les deux. Donc voilà, puis au moins, ça me fait durer le produit beaucoup plus longtemps. Et de toute façon, ce que j'envisage, c'est de laisser des fonds dans les packagings pour que vous puissiez sentir quand vous venez chez moi et tester un petit peu quand même. Donc voilà, même si ce produit-là, c'est sûr, je le rachète. Il est juste dingue. Certes, il coûte 20 euros. Je me rappelle parce que c'est quand même assez cher. Donc 20 euros, il est plutôt bien. Vous avez juste à faire un coup de roll-on comme ça. Le roll-on est très bien. Ça fait pas mal aux yeux. Rien du tout. Ça pique pas les yeux surtout. Il est plutôt bien. Moi, j'adore ce produit-là. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Malgré qu'il est génial. Voilà, donc je vais pas m'attarder dessus pour le coup. Ensuite, on a quatre pots. Alors, on va essayer de le moins lourd, ça doit être lui. Ah non, perdu. Donc, faut faire lui. Je vais mettre dans l'ordre. Je vais mettre dans l'ordre. Ne vous inquiétez pas. Voilà, ça fait lui, lui. Après, vous pouvez mettre. Non, on va faire lui, lui, lui et lui après. Voilà, je vous ai mis dans l'ordre. Alors, si vous voulez utiliser les quatre le même jour, on peut utiliser les quatre le même jour. Alors, on a celui-ci qui est le baume nettoyant de chez Evol. Vous voyez comment je l'aime d'amour et d'eau fraîche, comme on dit. Non, mais lui, je suis déjà à mon deuxième pot. Sachant que j'ai fait deux échantillons avec ce pot-là pour des copines. Enfin, une de mes copines. Voilà. J'ai sacrifié mon produit favori pour que vous puissiez tester. Il sent super bon. Moi, j'adore la texture. C'est une texture en forme de gel. J'adore. J'adore, j'adore. Vous voyez même le fond du pot. Ça va être le deuxième pot que je termine. Bon, là, il y a encore quelques utilisations. Hein. Pas de panique. Hein. Je ne vais pas le terminer tout de suite. Et de toute façon, vu que je passe ma commande que fin du mois. Donc, du coup, bah, faut que je le garde comme ça. Donc, c'est pour ça. Je vais devoir tester d'autres produits. Je pense que je dois avoir d'autres produits
dans mon petit bazar de produits. Donc voilà, d'autres produits, d'autres marques. Mais du coup, faut que je le garde, je vais le garder comme ça. Je vais pas l'utiliser du coup. Même si je l'adore, je l'utiliserai de temps en temps. Mais jusqu'à samedi prochain, parce que du coup, que vous puissiez voir, avoir la texture, s'il y en a qui veulent tester. Donc voilà. Donc celui-là est très bien. Tu mets sur ton visage, tu prends de l'eau après et tu viens frotter. Soit tu fais cette solution-là, soit tu en mets dans ta main, tu prends de l'eau et tu frottes avec ta main comme ça. Et après, tu viens mettre avec ta main, tout simplement. Voilà, moi j'adore. J'ai kiffé l'odeur. J'en ai sur mes lèvres. J'ai une de mes collègues qui est passée, bah, qui me fait les ongles. En fait, elle me dit, ah, je comprends mieux pourquoi tu l'aimes bien. Bah ouais, je l'adore, l'odeur, ça sent trop bon et tout. Donc voilà, c'est sous forme de baume. Donc en fait, ça va faire. C'est pas hyper gras sur la peau, vous allez voir. Et ça va faire vous faire un lait. Donc du coup, vous allez avoir le visage tout blanc. Moi, j'adore quand c'est comme ça. T'as le visage tout blanc et tout. C'est trop bien. Donc voilà. Donc c'est plutôt bien, ça mousse pas, ça va juste vous faire le visage tout blanc. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien. Ce produit-là, en plus, il est pas cher. Il est à 11 euros les 30 ml, donc c'est plutôt sympa. Bonjour, Imody. No, Nobody, pardon si j'ai écorché. Donc là, je suis en train de parler de ma gamme Evolve préférée. Donc là, c'est le baume nettoyant pour le visage. Qui est très bien, moi j'adore. Il fait sous forme de lait, j'aime beaucoup. Donc pour voir, c'est que je l'aime beaucoup parce qu'il est déjà presque vide. Et c'est déjà mon deuxième pot. Donc comment vous dire que je l'aime beaucoup ce produit-là? Ensuite, toujours de la gamme Evol, on a celui-ci. Donc c'est vraiment une routine que je vous donne, hein. Donc après le nettoyant, vous pouvez passer au masque chocolat. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Peut-être le faire ce soir. Peut-être le faire ce soir, le masque chocolat. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Là, il y a à peu près 3 utilisations. Il n'est pas au bout, hein. C'est juste que vous voyez. Voilà, là, on voit bien. Je suis en train de jouer avec la lumière. Donc, voilà. Le masque chocolat est plutôt très bien. Vous le mettez sur votre visage et en plus il fait gommage. Donc vous mettez sur le visage, vous attendez 10 minutes et au bout de 10 minutes vous allez frotter pour bien gommer votre visage. Là je ne sais pas si vous allez voir, il y a les grains. Voilà, vous voyez à peu près. Il y a les grains qui sont juste là, il y a des grains pour bien exfolier la peau et ça c'est plutôt franchement bien. Moi, au départ, j'ai utilisé. Je me demandais à quoi servaient les petits grains. Et c'est en regardant, du coup, bah, mes collègues, des vidéos des collègues. Et qu'en fait, je me suis aperçue que j'utilisais pas bien le produit. Et qu'en fait, il faisait gommage. Donc, du coup, c'est plutôt bien. Donc, la deuxième fois que j'ai testé, je l'ai fait aussi en gommage. Il est très bien. Moi qui aime pas trop les gommages, c'est plutôt bien. C'est pratique d'avoir un masque et un gommage en même temps. Comme ça, au moins, hop, tu fais les deux en même temps et t'es pas enquiquiné par la suite. Ensuite, on a la crème pour le visage de chez Evolve aussi. De chez Evolve. Elle sent terriblement bon. Donc ça, cette crème-là, j'en ai pas mis beaucoup. J'en ai pas mis beaucoup. Je suis sympa avec tout le monde. J'en ai mis, je l'ai déjà testée, elle est très bien. On l'a en petits échantillons aussi quand vous prenez votre... Quand vous prenez vos échantillons, vous lavez en échantillon. Il n'y a pas de souci. Je crois que j'ai un échantillon là à vous montrer. Je peux vous montrer l'échantillon. Le temps que je cherche ma page. Il est juste ici. Donc l'échantillon est quand même ceci. Donc vous voyez, vous l'avez aussi en échantillon. Moi, je l'ai rempli parce que je l'avais fait tomber. Donc je l'ai re-rempli pour pouvoir le faire tester à quelqu'un, bien évidemment. Et surtout pour vous montrer en vidéo. Alors, est-ce que je vais l'avoir imprimé? Beurre corporel, non. Beau nettoyant, non, non. Ah, voilà. Ça, c'est la crème visage. Elle sent divinement bon. Donc, c'est à la noix de coco et de vanille et de l'huile d'argan. Donc, c'est pour ça, c'est une tuerie. Voilà. Donc, c'est composé d'un mélange d'huile naturelle pure qui apportera
à la peau douceur. C'est bio, vegan. Donc toute la gamme Evol est bio et vegan. Je vais avoir un masque. Un masque, oui. Un masque gold de chez Evol. Je suis trop brassée. En plus, il est en gros pot. Il est en 180 ml, je crois. En gros pot, moins de 30 euros. Il doit être à 20 et quelques, je crois. Ou 17, je sais plus, je sais plus, je sais plus. Et le masque gold, j'ai trop hâte de le recevoir. Il est dans mon panier. Bon, malheureusement, vu que j'ai pas pu passer ma commande là, parce que ça a jamais voulu passer ma commande. Donc, vu que j'en ai marre de me battre, et ben, on verra ça le mois prochain. Et on testera le mois prochain la nouveauté du mois de juillet. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le masque. La crème pour le visage, elle est très bien. Elle pénètre très bien dans la peau. Moi, j'adore. Ça pénètre très bien dans la peau. Ça sent super bon. Tu laisses ça sur ton visage. Après, t'as encore l'odeur. Moi, souvent, je fais ça avant de me coucher. Donc, du coup, j'ai encore l'odeur. Et en fait, je trouve que l'odeur, elle apaise avant de te coucher. Donc, c'est plutôt bien d'avoir une odeur pas trop forte pour aller au lit après. Enfin, être dans la chambre après. Donc, voilà, il est très bien. Il commence. Enfin, les pots sont pleins en général. Hein. Là, il n'est pas plein. C'est normal. C'est parce que je l'ai utilisé et que je l'ai mis aussi en. Que je l'ai mis en petit pot pour faire tester aussi. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas plein. Mais ce produit-là est génial aussi. Et ensuite, pour terminer le dernier produit que j'ai de chez Evolve, et qu'on va finir par le dernier produit, et bah c'est tout simplement le baume nettoyant qui était à la page d'avant. Le baume nettoyant. Non, c'est pas le baume nettoyant, je suis bête. C'est le beurre corporel, si je vous parle de deux trucs en même temps. Le beurre corporel qui est comme ceci, Tropical Bronze. Donc ça, lui, il est en 30 ml. Donc c'est beurre de karité bio, monoï de Tahiti naturel et fleur de gardénia. Donc ça, c'est plutôt sympa. Moi, j'adore l'odeur. Ça pénètre super bien sur le corps. Moi, j'adore. J'aime pas les beurres corporels de base, comme je vous disais à chaque fois. Enfin, comme je vous dis très souvent. J'aime pas les beurres corporels, sauf que là, ce produit-là, en fait, il m'a fait changer littéralement d'avis. Parce qu'il est très bien, il pénètre bien dans la peau, il sent super bon en plus de ça. Mais le truc, c'est qu'il pénètre bien dans la peau, il est pas gras quand tu. Vous savez, moi, j'aime pas les beurres corporels quand tu mets du beurre corporel et qu'après, genre, tu vas te coucher après. Genre, tu mets ton t-shirt et ça colle. Ça, j'aime pas du tout. Ce produit-là, il colle pas du tout. Voilà. Après, vous pouvez toujours le mettre dans la salle de bain, laisser un peu comme ça et après mettre vos affaires, ça va sécher. Voilà. Mais ça colle pas du tout, c'est très bien. Moi, j'adore l'odeur. Je kiffe. Je kiffe. Je kiffe et je kiffe et je re-kiffe l'odeur. Voilà. Et ensuite, je vais vous parler de deux derniers produits. Voilà, que je vous ai déjà parlé, que je vais certainement vous parler très souvent cet été. Voilà, parce que c'est une gamme d'été. Donc forcément, je vais vous en parler très souvent cet été. Donc les Coco Solis. Alors, je vais vous parler d'abord de celui-là. Le bleu qui est le cool. J'adore les trucs cool. Donc ça, c'est le cool. Donc ça, c'est l'après solaire. Donc quand vous avez un petit coup de soleil, paf, on met ça. On prend toujours le réflexe de mettre un après-solaire, bien évidemment. Pour votre peau, ça fera du bien. Donc ce qui est bien dans ce produit-là, donc déjà, paf, un bouchon, le packaging est super joli, personnellement je trouve. Paf, 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 ton enfant passe par là, il peut toujours appuyer parce qu'il y a une sécurité enfant. Donc même si lui veut s'en servir. Parce qu'ils peuvent s'en servir, parce que du coup, la molette est assez facile. Et vu que c'est de l'huile, et bah l'huile, elle sort assez facilement. Donc en fait, vous avez juste à tourner comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Juste à tourner comme ça. Voilà, que je ne me fasse pas avoir. Vous avez juste à tourner pour que vous puissiez déverrouiller la sécurité enfin. Donc ça, c'est ce qui est plutôt pas mal. Moi, la première fois que j'utilisais, je dis bah mince, ça marche pas. Et même en forçant. Et en fait, je me suis dit, bah oui, mais si je ne tourne pas, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, l'après solaire qui est plutôt sympa. Moi, personnellement, si vous aimez les deux odeurs assez fortes, si vous aimez les odeurs assez fortes, oui, pourquoi pas. Si vous êtes comme moi, vous aimez les odeurs à pas extrêmement fort,
Non. Mais après, moi, ce que je vais faire, c'est que cet été, quand je me prendrai un coup de soleil, je mettrai ça sur ma peau. Je laisserai 1 heure ou 2, genre histoire avant d'aller à la douche, et après, je le rincerai. Voilà. Je le rincerai directement après parce que moi, niveau odeur, c'est pas ce que je préfère le plus. Mais bon, après, faut bien tester. Cette chose-là. C'est composé de vitamine E en plus, donc c'est plutôt bien pour la peau. Ça va... En plus, ça va hydrater votre peau en même temps. Donc voilà. Et ce produit-là va permettre de ne pas peler. De ne pas peler. Et si vous commencez à peler cet été, moi, ce que je vous conseille, c'est le beurre corporel de chez Evolve. Si vous voyez que vous commencez à avoir des petits points blancs, ou que vous voyez que vous allez commencer à avoir de pelés en fait, vous mettez directement ça, paf, paf, sur le bras. Et moi, je vous dis que c'est nickel parce que les premiers coups de soleil que j'ai eu, regardez, j'ai eu des premiers coups de soleil quand même, un peu. Et du coup, mon bronzage est resté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais en plus, mettez ceci aussi. Enfin, ceci après les coups de soleil et ceci quand vous pelez, hein, bien évidemment. Donc voilà pour ça, c'est plutôt bien. Moi je trouve les packagings super jolis, classe. Donc si vous en avez plusieurs, même à mettre dans votre salle de bain, paf paf paf, trop bien. Ou même à mettre quand vous allez en voyage, à la plage ou autre. Moi j'adore. Plage, paf, tu mets ça, même dans le sable et tout. Là cette année, si je vais à Coco Plage, ou non, enfin à Sidi Guillaume, je les prendrai, je ferai des photos dans le sable et tout. Ça sera juste dingue. Ensuite, on a le Glow. Celui-là, je l'adore. Je préfère lui qu'à l'autre. Le packaging est pareil, en plastique. Enfin, lui, il est en plastique. Plus plastique. Enfin, léger, quoi. Donc voilà, donc c'est le Glow. Donc en plus, c'est cookie. Il y a marqué cookie, cookie. Donc ça, c'est le Glow. Donc lui, il faut le remuer. Bien évidemment. Lui, il a une particule, il a des paillettes et il va venir hydrater votre peau. Donc, mettez ça avant de sortir. Il va hydrater votre peau. Et en plus, il va vous faire... Donc, c'est huile satinée corps, celui-là. Et en plus, il va... vous allez avoir la couleur du produit sur votre peau. Donc, comme si vous allez être bronzé. Alors qu'en fait non, vous allez juste mettre une hydratation sur votre peau pour pas brûler. Enfin voilà. Après dans cette gamme-là, on a aussi deux produits solaires, donc visage et corps, SPF 30 et SPF 50. Donc ça c'est ce qui est plutôt pas mal. Et on a même des produits pour le cheveu, des huiles cheveux et pousse. Nourrit et pousse les cheveux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je vais tester les deux. Et celui que j'aimerais tester, c'est huile sèche anti... non. Anti-visage et corps. Anti-âge visage et corps. C'est pas celui-là que je voulais tester. C'est le... Huile sèche anti-cellulite. Anti-cellulite et anti-vergeture, je pense que je prendrais ces deux-là. Plus les deux des cheveux. Parce que je veux bien me faire une... Je veux me faire une gamme. Bon, ce sera petit à petit, bien évidemment, parce que je suis pas riche, hein, que je suis comme vous, je suis pas riche. Ensuite, toujours la sécurité enfant. Même pour vous, hein, au moins, vous appuyez pas pour rien. Voilà, cette odeur-là, elles sont plutôt bien. Ça sent le gâteau, donc bah, je pense que ça sent le cookie. Je sais pas si vous allez voir les particules de paillettes, je veux pas trop pencher. Voilà, les particules de paillettes. Moi, en ce moment, je m'en sers pas trop parce que, bah, comment vous dire que je suis en appartement et que, comment vous dire que je suis en appartement et que du coup, bah, voilà. Y a pas trop de soleil. Là, il y a du soleil dehors, mais dans mon appart, y a pas de soleil. Ah, peut-être dans la cuisine et encore. Donc, c'est pas terrible. Donc ça, je le mènerai surtout à quand j'irai à Coco Plage ou si un de ces quatre cet été, je pars un week-end à la plage, pourquoi pas. Mais chose que je ne pense pas. Donc je pense que ces petites merveilles, j'utiliserai peut-être plus l'année prochaine. Parce que c'est valable jusqu'au... janvier, février, mars. C'est valable jusqu'en octobre 2021 pour celui-là. Et celui-là, c'est plus tard, 2022. Lui, je pense que c'est parce que c'est 2021, parce que c'est... y a des paillettes, particules de paillettes dedans. Je pense que c'est pour ça.
Donc voilà pour ça. Ça, je vais adorer. Donc en espérant que cette année, j'aille à Coco Plage assez souvent, comme ça, je me mettrai tout le temps. Et que l'année prochaine, je parte assez souvent. Enfin, que je parte en vacances l'année prochaine. Voilà, ensuite dans la gamme Coco Solis, et c'est la dernière chose que je vais vous montrer parce qu'après ça risque de faire trop long et vous risquez de. Je risque de ne plus de vous avoir. Ça fait déjà 30 minutes, donc voilà. Donc je voulais juste vous montrer tout ce qu'il y avait en produit. Donc on a donc les deux solaires, huiles solaires SPF 30 et SPF 50. Ensuite, on a huile réparatrice après solaire. Donc ça, c'est la cool, celle que je viens de vous montrer. Ensuite, la Skin, c'est huile sèche anti-âge, visage et corps. Donc c'est la rose. Ensuite, on a le Aloe, donc huile sèche bronzante Aloe coco. Donc celle-ci, moi, je voulais la prendre de base. Sauf que, donc une de mes collègues est venue, on a comparé nos produits et elle l'avait. Et finalement, l'odeur, je n'aime pas. Donc c'est très bien qu'elle soit venue parce que du coup je vais pas l'acheter parce que ça sert à rien que j'achète un produit que je vais pas me servir. Donc voilà. Ensuite on a l'huile sèche bronzante choco. Donc ça c'est pareil, déjà de base je voulais pas l'acheter mais il sent très très fort le chocolat. Donc si vous aimez l'odeur de chocolat, prenez le choco et en plus vous allez bronzer avec. Ensuite l'huile satinée corps que je vous ai montré. Ensuite, le Skin, c'est huile sèche anti-vergeture, donc le orange. Ensuite, le violet, c'est huile sèche anti-cellulite. Donc ça, c'est les deux que j'aimerais bien prendre. Ensuite, il y a l'huile nourrition cheveux et sérum pouce cheveux. Donc ça, c'est les deux derniers. Donc en fait, moi, j'aimerais bien avoir dans ma collection ces quatre-là. Donc les deux huiles pour les cheveux et les deux huiles pour le corps. Donc huile satinée anti-vergeture et anti-cellulite. Donc voilà, à tester, moi j'aimerais bien tester ces 4-là. Après voilà, je vous dis ça, mais peut-être que je les aurai pas cette année, je les aurai l'année prochaine, ou peut-être dans l'année, je sais pas, on verra bien, peut-être en septembre, je sais pas. On verra bien ce que je veux acheter, ce qu'il y a en nouveauté, parce que parfois, on veut prendre des choses et au final, il y a des nouveautés, donc du coup, bah on oublie les trucs qu'on voulait prendre et du coup, on prend les nouveautés. Voilà, c'est souvent comme ça, donc voilà, je sais pas pourquoi je range, alors que je vais faire un Facebook juste après. Voilà, je sais pas pourquoi je rentre. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en privé. Sachez que dès 125€ d'achat, vous avez un petit cadeau, enfin un gros cadeau de 45€. Donc que vous aurez dans votre panier une fois que vous aurez mis 125€ d'achat dans votre panier. Ensuite, en promo, on a tout le temps ça. Mais dès une enveloppe achetée de 9,90€, vous avez un bon d'achat de 9,90€ valable dès 25€ d'achat. Donc moi, les 9,90€, ça ne vous fait plus qu'à payer 15,10€. Et vous pouvez avoir deux produits full size. Donc pour ça. Et ensuite, le dernier truc que j'ai à vous dire, dès 20€ d'achat sur mon site internet, vous pouvez avoir la possibilité de gagner un des trois produits que je vous ai montré tout au début. Allez, je vous dis à très vite pour un nouveau live.